Bonjour tout le monde, plutôt bonsoir. Je me présente, je suis détective Défensio. Enfin, vous le savez déjà. Et oui, vous voyez un truc sur Superflame Studio. Ce sont les énigmes de Lindsay Lohan. Aujourd'hui, je vais faire des énigmes. Même si je vais bien sûr plus montrer cela, mais en dévoilant que je ne vais pas faire ces énigmes-là. Car ceci sont des énigmes complètement fictives. Je tiens à le souligner. Avec Goldlude, nous sommes bien d'accord là-dessus. Et que, avec la part entière de Superflame Studio qu'a eu Goldlude, il a du coup demandé à Superflame, son associé, et du coup à Jev, d'essayer de tous les deux faire des énigmes qui aideraient à leur lore. Pour faire leur arc Egadien. Ou d'Egadia. Voilà, Battle for Egadia Enigma. Je ne sais pas du tout en quoi ça consiste personnellement. Ça semble être que des énigmes. Mais sachez que du coup, il n'y a pas l'horreur dans ces threads et pas des séries audio comme une certaine personne dirait et qui, étrangement, ne parle plus maintenant. Hein? C'est bizarre, hein? J'entends plus du tout parler de cette personne depuis qu'elle a voulu dire des bêtises sur Goldlude. C'est bizarre, hein? Peut-être que elle a remarqué que elle pouvait avoir des procès assez graves et bon. En tout cas, du coup, vous l'avez remarqué, du coup, mais comme je l'ai dit, ça ne sera pas sur ça, mais sur énigmatique. Voilà. Et cela va permettre à essayer de tester mes compétences. Et c'est une petite pause, parce que c'est pour ça que c'est pendant le week-end. C'est posé. Ça sera que deux vidéos. Une où j'essaierai de résoudre ces énigmes. Et une deuxième, qui sera demain, sans doute, avec les réponses. Je ferai du 1 au 5. Entier. Il y en a beaucoup plus. Mais au moins, comme ça, ça vous en donnera pour vous aussi. Enfin, si je ne trouve pas et si vous ne regardez pas. Ou sinon, toutes, si vous ne regardez pas la vidéo de demain, bien sûr. Du coup, commençons dès maintenant. Avec anniversaire. Avant-hier, Catherine avait 17 ans. L'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-ce possible? On peut dire que déjà, avant-hier, nous étions par exemple en 2017. Hier, on a été en 2018. Et donc, elle a eu son anniversaire quand on est rentré en 2018. Non. Du coup, ça marche pas. Non. On est en 2017. Fin 2017. Où elle a 17 ans. Imaginons qu'elle est née le 30 décembre. 30 décembre. Voilà. Donc, avant-hier, elle a fêté ses 17 ans. Ensuite, on est le 31. Dans l'année du... Non, du coup, ça marche pas non plus. Ça commence super bien. Mais continuons. Donc, le 31... Imaginons que le 31... Le 31 décembre 2017. Elle fête. Elle a déjà eu ses 10... Elle vient... Avant-hier, on était le 30 décembre. Elle avait 17 ans. Le 31 décembre, 2017 encore, elle a eu ses 18 ans. Ensuite... Non, encore... Avant-hier, elle avait 17 ans parce que c'était le 29 décembre 2017. Le
Ah putain, je m'en mêle déjà. Le 30 décembre, elle avait. Le 30 décembre 2017, du coup, elle avait 17 ans. Le 31 décembre 2017, elle a eu ses 18 ans. Aujourd'hui, le 1er janvier 2018, ça sera pour l'année où elle aura ses 19 ans. Et du coup, l'année prochaine, en comptant le nouveau jour où on est, elle aura ses 20 ans. Normalement, c'est bon. Mais on verra ça demain. Et bien sûr, demain, ça ne sera que les réponses, je n'aurai même plus besoin de parler. Mais en tout cas, maintenant, continue. J'ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 têtes et un œil. Qui suis-je? Peut-être un cyclope informe? Non, 2 têtes, non. Ah bah oui, j'imagine une personne qui ment. Respire ou pas? Respire ou pas? Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Un ventilateur? Parce que ça souffle énormément, mais ça ne respire jamais. Ou des délires similaires. J'ai 192 poules. Poule ne prend pas de S. Pourquoi? Hmm. 192 poules. Un œuf de pu... Ah, putain, je suis con. Je viens de remarquer le truc. C'est un œuf de poule. Bon, enfin, je suis pas du tout sûr, mais... Waouh. Il a vraiment dit ça comme un con, quoi. En tout cas, l'âge du père et du fils. Un père et un fils ont à eux deux 36 ans. Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel est l'âge du fils? Bah, le père a 33 ans. Donc le fils a 3 ans. J'imagine que normalement ça marche. Est-ce que si le père avait 30 ans et le fils 6 ans, ça marcherait pas, il aurait 24 ans de plus. Ne cherchez pas trop long. Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, dormir et se brosser les dents? Un truc multitâche. On va dire... Non, je sais pas. Non, à se brosser les dents. Il n'y a qu'une brosse à dents qui sert à ça. Mais s'asseoir à dormir, ça aurait pu être un lit. Un lit cadre. Non, c'est... Justement, je pars trop loin. Et le titre me dit de ne pas le faire. Là, est-ce que le et change un truc? Genre, une chambre et une brosse à dents? Ben, je sais pas. Qu'est-ce qui s'allonge et rétrécit en même temps? La vie. Non, en fait, je sais pas. Ah ouais, la vie ou un. Comment ça s'appelle? Ah merde! Non, si c'est ça. Là où il y a. C'est un truc en sable. Je connais hein, le truc, donc. J'ai pas le mot. Si c'est ça. Demain. J'en aurais marre. Je parle toutes les langues et j'ai tout le temps la tête à l'envers. Qui suis-je? Alors là. Alors, qu'est-ce que ça peut être?
Non, c'est pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est tout le temps la tête en l'envers en parlant des langues. Langues, pardon. Ah, je sais pas. Plus grand que la tour Eiffel. Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel, mais infiniment moins lourd? Comment on peut être plus grand qu'un truc, mais pas peser plus lourd? Peut-être si on considère que c'est autre chose, un autre monument, mais sur la Lune ou autre. Je sais pas. Un monument beaucoup plus gros que la Tour Eiffel, mais mis sur une autre planète ou la Lune. À l'encontre du bon sens, un nid a deux enfants, dont l'un est une fille. Combien y a-t-il de chances que l'autre enfant soit un garçon? Bah, une chance sur deux, si on part beaucoup trop simpliste, mais bon, je vais pas partir aussi loin. Je suis noir et je deviens rouge et je finis blanc. L'esclavagisme. C'est quelqu'un qui est noir, qui peut devenir rouge si on le frappe beaucoup avec le fouet. Et au final, finir blanc, c'est le fait de qui survit, j'imagine. Double sens. Je suis un homme, je suis une femme et je ne suis ni un homme ni une femme. Je dirais un non-binaire. Une personne non-binaire, pardon, parce que ouais, sinon ils vont se casser la gueule. Même s'ils font chier ces personnes-là. Le chat, la souris et le fromage. La souris mange le fromage, le chat mange la souris. Que reste-t-il? Bah, le chat. Énigme bébé. Je suis blanc quand tu m'utilises et je disparais quand tu m'oublies. Oula. Qu'est-ce que ça peut être? La farine? Non, ça disparaît pas. Bon, je sais pas. Plus j'ai des gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai des gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? Qu'est-ce qu'on pourrait regarder qui est aussi intéressant? Qu'il ne faut pas partager. Un secret, bah oui. J'imagine un secret. Énigme de Stamford. Mieux que Dieu, pire que le diable. Les pauvres en ont. Les riches en ont besoin. Si on en mange, on meurt. Qu'est-ce que ça peut être? Avec une seule personne au-dessus de Dieu, c'est Goliath, bien sûr. Mais là. Les pauvres ont rien, donc. Putain, je suis con. Rien n'est mieux que Dieu, puis rien n'est pire que le diable. Ok. Le fils de cet homme est le père de mon frère, sachant que je ne suis pas une femme, quel est le lien de parenté entre cet homme et moi? Non, non, ça me casse les couilles, ce type d'énigme. Je suis d'eau, je suis d'air et je suis d'électricité. Qui suis? Un Pokémon. Les 9 points des 4 traits magiques. Vous devez relier ces. Oh non, c'est chiant ça. Quel est le nombre divisé par lui-même donne son double? 0,5, je suis fort en maths. J'ai une gorge, mais je ne peux pas parler. Je coule, mais je me noie pas. J'ai un lit, mais je ne dors jamais. Qui suis-je?
une personne malade, je veux dire ça, parce que ça peut l'empêcher de dormir. C'est un vieil homme malade qui vit dans un magnifique manoir. Il possède une fortune colossale. Il a à son service trois médecins. S'il meurt, sa fortune ira au médecin. Maintenant, il demande au premier médecin de venir. Celui-ci dit qu'il ne connaît pas encore le moyen de le guérir. Il appelle le second, qui lui donne la même réponse. Il demande au fond un troisième de venir. Le médecin lui fait une injection devant, soi-disant, le guérir. Le vieil homme se rend compte qu'il vient d'être empoisonné. Il appelle l'inspecteur Colombo et lui dit « C'est lui qui m'a tué ». Quand Colombo arrive, il se place devant les médecins et dit au coupable « C'est vous l'assassin ». Comment a-t-il fait pour trouver la solution ? Ah là, c'est une enquête pour moi. Qu'est-ce qui peut faire que ce soit aussi simple pour lui? Il y a plusieurs médecins. Oh putain, je suis détective privé en plus. Bon, je sais pas du tout, j'en ai pas la moindre idée. Ce sont deux frères qui sont nés le même jour de la même année, qui ont le même père et la même mère, et pourtant ils ne sont pas jumeaux. Alors, j'imagine que ce sont des Siamois. Un père a 54 ans et un fils en a 60. Comment est-ce possible? Ce n'est pas le père de l'autre. Ou le fils de l'autre, comme vous préférez. Sans bouger, je peux tourner sans bouger. Qui suis-je? En faisant la toupie, j'imagine. Tu tournes sur toi-même, mais tu ne bouges pas. Donc un humain. Je n'ai pas vu d'autres animaux faire ça. Ils sont trop cons. Je suis ce que je suis, mais je ne suis pas ce que je suis. Car si je suis ce que je suis, je ne suis plus ce que je suis. Un paradoxe. L'énigme d'Einstein. Oh putain, elle est longue celle-là. Donc là, je vais pas lire, c'est long. Oh là là, faudrait que je pose quelque part et j'ai très clairement la flemme. Attention. Excusez-moi, c'est moi qui viens de me remémorer des trucs. Avec une voix bien sinistre pour Goldwood, c'est mon prénom. Je suis pas né de la dernière pluie non plus. Trois poissons sont dans un seau, l'un meurt, combien en reste-t-il? Si on n'a pas retiré le mort, trois quand même. Je suis immobile pendant la vie. Et je me promène durant ma mort. Un mort vivant. Un médecin a soigné beaucoup de patients, mais aucun ne l'a remercié. Pourquoi? C'est un vétérinaire. Quand je sèche, je me mouille. Une éponge. Une histoire de Vosges. J'ai quelque chose dans ma poche, mais ma poche est vide. De l'air. On me retrouve deux fois dans l'année, une fois dans la semaine, mais pas du tout dans le jour. Je connais ça en plus.
c'est la lettre N. Je connais ce type de truc. Quand je suis blanc, je suis sale, et quand je suis noir, je suis propre. Ça va être très raciste, mais bonjour, je suis sénégalais. Je ne sais pas. Je suis le premier à la ligne d'arrivée, mais je ne suis pas le vainqueur. Un tricheur. Quel mot devient drôle quand on lui rajoute une lettre? Alors, oh. Ah non, attends, D. Drôle. C'était drôle. J'ai une serrure, mais pas de porte. Qui suis-je? Et c'était... Une serrure, tout simplement. Un homme est mort dans sa voiture. À côté, il y a un pistolet qui l'a tué. Il ne s'est pas suicidé. Les vitres sont fermées et bloquées. Il n'y a aucune trace de doigt et aucun trou. Comment le tueur a-t-il fait? Le tueur a porté des gants et a juste pu ouvrir ça. La porte automatiquement, les fenêtres et vitres et tout automatiquement, et mis le corps. Si je suis muet, aveugle et sourd, combien de sens me reste-t-il? Muet, c'est que tu peux pas parler, donc c'est pas un sens. Aveugle, c'est que tu ne vois pas, donc c'est un sens. Et sourd, c'est entendre, c'est... donc il t'en reste 4. Un escargot est dans un puits de 10 mètres, il monte 3 mètres chaque jour et descend 2 mètres chaque nuit. 10 jours? Ah non, non, 2. Non, 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 je suis allé trop vite. Il fait. À chaque fois, il fait 1, 1, 8 jours. Il fait les 7, premier, et ensuite il fera 3 et d'un coup, il sera à 10. Et j'ai failli me faire avoir. Enfin, je sais pas, on verra demain. Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je? Une baguette. Je suis allé chercher une baguette fraîche. Frais. Je sais pas quoi. Je me vide en me remplissant. Mais on l'a déjà vu, ça, non? Je sais pas du tout. Touche, touche pas. Touche pas, touche. Qu'est-ce qui touche et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends absolument rien. On s'en sert. Lorsqu'on a besoin de moi, on me jette et lorsque je deviens inutile, on me reprend. Jette l'éponge. Enfin, c'est une manière de dire, mais bon, je sais pas. Pour moi, l'accouchement est avant la grossesse et l'enfance avant la naissance. L'adolescence avant l'enfant, la mort avant la vie. Qui suis-je? Un personnage de fiction, ça peut marcher. 10 fois 10, c'est égal à 30. Je multiplie 10 fois 10 par 10, le résultat est 30. Bah, 10, x. Ah, chiffre romain. 1 est égal à 5, 2 est égal à. Bah, 1. 5 est égal à 1. C'est pas compliqué. Je ne suis pas humain, j'ai 2 jambes. Mais je ne marche pas. Qui suis-je? Juste 2 jambes. Ouais, je parle pas très loin, mais pour là. Mais pour le coup, mais au moins comme ça, je m'en mêle pas. David a 10 ans. Son petit frère Franck a la moitié de temps. Bah, 90 ans. C'est comme le coup du père, hein, et son fils, là, avec leurs 36 ans cumulés. Bon, bah, c'est fini là. J'espère que ça vous aura plu. Et que oui, j'ai pas eu trop d'histoires d'horreur, même s'il y en a peut-être dans toutes ces énigmes, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, sachez que l'histoire de Lindsay Lockhart aurait pu être glauque, mais j'ai préféré me retirer. Et c'est pour faire un gros aparté, alors que ouais, même peut-être que Goldwood n'est pas vraiment d'accord que je fasse ça, mais au moins comme ça, je fais de la pub sur certains de ses produits. Je vous dis donc à une prochaine, et allez. Au revoir et croyez ce que dit Goldwood. Salut.